que c'est des fils de pute, donc faut tenir les deux points en même temps. Salut tout le monde, c'est pour une nouvelle vidéo, on est avec Croton les doigts sur Enlisted. Et salut à tous. Donc toi t'es sur le point A et moi je suis sur le point B. Ah ouais, tu m'as abandonné. Toi tu m'as abandonné, oui. Ça commence déjà bien. Oh là là. Je vais... On va voir le où est-ce qu'elle va ma team. Vite vite, rentrez dans le bunker les amis. On peut faire des fossés. Comment ça fossés? Il y a un type qui est en train de creuser dans la route. Mais non. Putain, il faut que j'essaye l'équipe de Logi. Il a fait un trou pour que ça fasse un fossé, soit on peut s'y cacher. Oula, il y a un mec lance-flamme qui est arrivé dans le bunker, il a détruit toute une team. Ah. Oh mon dieu. Oh, je suis en train... Vite, vite, à l'aide. Je suis en train de nettoyer ça. Ah mince, connexion réseau perturbée. Non, laissez-moi jouer. Non. Oh purée, le lance-flamme qui nous a découpé. Oh mon dieu! Oh, vous avez l'air de peiner, Sura, quand même. Bah oui, on s'est fait déboîter par une escouade de lance-flamme. C'est un petit peu dur de l'assumer, mais c'est comme ça que ça s'est passé. On s'est tous cachés dans le bunker, mais il y a le mec avec son lance-flamme qui est arrivé et ouais, il nous a fait mal. Pour pas dire de mauvais mots, il a pas voulu être très gentil avec nous, quoi. Mais c'est bon, j'ai contrôlé la situation. Ah, j'ai repris le contrôle de la situation. Tiens, je me suis fait une place fortifiée. J'ai caché toute mon escouade dans une tranchée. Avec des sacs de sable partout autour. J'ai mis une case de munitions et des barbelés. Là, si on perd le point B, il faut qu'on tienne A aussi longtemps que possible. Je pense. Il faut aller récupérer B là. Tant qu'on a A, je pense que tu peux aller récupérer B. Non, l'idée c'est ça. Tu peux venir cacher ton escouade avec moi sur A, dans ma tranchée. Ouais, ok. Tant qu'il n'y a pas de frappe d'artillerie, tout va bien. Tant que le vilain monsieur il nous voit pas, tout va bien.
Ouh, je vois les vilains monsieur arriver. Ouais. Ils m'ont eu. Tu t'es fait eu? Ouais. Je me suis fait avoir. Merde. Ah bah on a des alliés qui vont cap B. Il y a de la présence ennemie sur Sur A? Ouais. Ça me rassure pas parce que je sais pas trop où ils sont. Moi, je crois qu'il est mort. Ah c'est ça ton bunker. Ouais t'en penses t'as quoi? T'as rien creusé en fait, t'as juste rajouté des... Fais X et vers le sol, là au milieu et... Ah ouais, mais je connais. Ah mais je vais pas les mettre exactement au même endroit. Ah tu veux que je vienne construire pour toi alors? Bof, si tu veux, mais sinon je vais me débrouiller. Il me reste combien de sacs de sable? Que deux. Ah mon... En fait mon mec ils sont là, ils sont devant. Ils sont à côté du bunker. Ah, ah oui. Il est mort. Hydro derrière la porte. Ah oui, il y en a un deuxième. À gauche aussi. Ok, je l'ai eu. Putain, le mec il est en train de détruire mon... Il y a un char? Oui. Merde. Bah je vais le tuer. Attention on t'approche pas, j'ai mis un pack explosif derrière. Ouais mais attends j'ai un bazooka. Ah je l'ai pas eu. Il a plus de canon? Yes, ça c'est parfait, regarde. Super. Il est mouru. Hop, il est détruit. T'as oublié tes cours de français en Allemagne en tout cas. Pourquoi? Il est mouru, je sais plus quel était le précédent mais... Ouais enfin, de la base quoi. Rien de grave. Il y a du monde carré sur ton bunker. Ouais, je vois ça. J'ai lancé des packs explosifs. Je crois que je l'ai eu. Ah mince, ça... ils sont en train de mourir. Ouais, viens t'occuper de ton escouade parce que... De la merde là. Et demande dans ton bunker. Ouais, je vois ça. Je vois du mouvement. Hop. On a récupéré B. Magnifique. Vas-y, je vais me cacher dans le bunker. Ok. Hop. Ça c'est un headshot. T'entends le char? Ouais, j'entends mais... Je vais mettre une frappe sur le char, sur A. Vas-y, vas-y. Donc fais gaffe. Trois secondes et la frappe elle arrive. Putain, à travers des buissons encore. Saloperie de bot. À travers 12 buissons, je me fais tuer. N'importe quoi. Ah,
I'm a cat sinister. Lar la. Tu comprends ce qu'ils disent tous les bonhommes? Ouais, enfin rapidement. Ok. Après, des fois c'est pas compréhensible. Enfin, en gros, magazine Isler, c'est genre il a plus de munitions. Celui-là, je l'avais deviné. C'est ouais, les autres que parfois j'ai même du mal à reprononcer. Je sais pas, le prochain que j'entends, je vais te dire. Ok. C'est un char qui arrive, ça, non? Ah non, c'est le char allié au milieu du coin. Je crois qu'il y a un autre char. Fais gaffe, grenade, grenade. Oui, char ennemi, char ennemi. Y'a un char. Ouais, j'ai pas de quoi le casser. Où il est? Ah, il est là. Oh, ils sont sortis du char. Je crois que je l'ai eu, le char. Magnifique. Il a l'air mort. Hop, j'ai eu un mec. Alors maman t-shirt. Oh là frère, c'est une compagnie qui arrive derrière les buissons. Une compagnie entière hein. Derrière les buissons? Oui genre là. Arrive à proximité. Oh, toujours la même chose. Genre, les ennemis, je sais, ils sont à côté du bunker. Comme un con, je sors du bunker. Sauf que je me retrouve en 1 contre 5. Des bots qui réagissent au quart de seconde, qui se retournent d'un coup, tu sais pas pourquoi. Il a fait un bruit de pas, peut-être. Moi j'entends pas des bruits de pas quand je suis à la guerre en train de me battre contre et qu'il y a des bruits comme ça ambiants. Hop, je suis en train de faire un barbecue. je suis en train de brûler toute sa compagnie. T'as récupéré un lance-flamme? Oh, c'est le mien. Ah, t'as débloqué un lance-flamme. Ah, mais je l'avais déjà, ouais, depuis longtemps. Sur cette campagne, j'ai un peu tout. Ah, ok, ok. Ah, j'ai pas encore débloqué les lance-flammes, même avec les japonais. Oh merde. J'ai encore mouru. Vas-y, je prends le Panzer 3. Si je prends mon Panzer 3, tu m'aides, Hydro? Comment? Tu m'aides? Comment tu veux que je t'aide? Ah, y'a des gens, ils me tuent depuis tout à l'heure. Ouais, enfin, tu sais quoi. Y'a pas de perso avec clé, on est d'accord? Normalement, non. Enfin, pour réparer un char, tu veux dire? Ouais. Normalement, s'il y a des kits de réparation. Mais faut l'acheter, je crois. Faut le débloquer. Enfin, c'est pas un perso spécial, en gros, c'est juste un truc que t'ajoutes. Ah,
Vas-y, je vais chercher de la HE. De l'explosif. Ah mince, ils ont détruit mon point de ralliement. En gros, quand je dis que tu m'aides, c'est genre que t'évites qu'il y ait des mecs qui arrivent à côté de moi, quoi. En mode. Oh ça, merde, ça c'est pas bon. Ouais, mais là je perce pas de face. Mais je perce pas de face. Putain. Mais mon véhicule il est cassé là, c'est bon. Putain de chier. Je me fais prendre par une compagnie entière. Il y a un char sur ma position. Ok, ça arrive. Je vais mettre de l'artillerie sur le char, je pense. En tout cas, je vais essayer. Pardon. Excusez-moi, madame. Pourquoi il y a une compagnie entière d'Américains devant moi? À l'aide, à l'aide. Ouais, j'ai vidé deux chargeurs de Gewehr comme si c'était un MP40, le truc. Je te jure, mais j'ai vidé le chargeur en une seconde. C'est pas une blague. Bien mourir, ne pas mourir. Ah, c'était mort. Mais on est fort là, hein. On est en train de les déboîter encore. Tu verras, à la fin de la partie en face, ça aura déconnecté. Hein. Il y a déjà eu 13 ennemis, donc 3 qu'on déco. 13 ennemis, ah ouais. Je me demandais comment tu savais ça. C'est écrit. Il y a du monde qui arrive à gauche. Ah, ils sont plus nombreux que nous dans le point. Aïe. Et il y a un char qui arrive. Ah, tout de suite il n'y a plus mon checkpoint et tout de suite on perd. Oh là là.
c'était grâce à ton checkpoint, c'est ça que t'es en train de me dire. Bah n'empêche, depuis qu'il est là, depuis quasiment le début de la partie, on n'avait pas perdu le point. Je vois, non, c'est bon, les arguments se tiennent. Je me bats pas contre toi, hein, Hydrolien. Ok. C'est juste pour te taquiner, hein. Comme d'habitude. Évidemment. Camarade de longtemps. C'est bien. Et je te mets une frappe d'artillerie sur la tête aussi. Cache-toi dans le bunker. Y a plus personne dans le point, ça c'est une mauvaise idée. Ah d'accord, bah je mets derrière le point là. Ouais. Soit sur la colline, soit côté bunker. Ouais, si, y'a un mec dans le. Au milieu là, dans la radio. Ok. Je l'ai découpé. C'est un char ça, je reconnais. Ça fait boum. Y'a un char allié. Un char allié, ah oui d'accord. Y'a un char ennemi aussi au milieu là de la prairie. J'ai marqué le char. Enfin, y a juste du monde au milieu du pré, mec. Hein. Ouais, ouais. C'est genre peut-être 20 mecs. Hein. Peut-être pas 20, plutôt 10, mais. Si on en tue la moitié avant qu'ils arrivent, déjà ce sera pas mal. Je suis en train de gérer. Je me mets au boulot. Hein. Ah, ils ont plus de tickets, ils vont bientôt perdre. Ah. Bah GG. Yes. Bien vu. Ah, j'ai eu 35 de score après la fin de la partie. Bon, ils t'ont encore oublié dans les classements. C'est vraiment pas sympa de leur part. Mais je comprends pas. Mais genre, je suis rien. Je suis pas meilleur soldat d'assaut. Je suis pas guerrier polyvalent. Je suis pas lance-flamme. Je suis pas tacticien. Enfin, je suis une merde ou quoi. Les 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, ils ont le droit à une récompense. Et Crouton, non. C'est une honte. Ah là là. Putain, c'est pour ça que je progresse pas, hein. Parce que le jeu te récompense pas assez. Ouais. Le jeu est raciste. je vais appeler Gaijin, hein. Je trouve que c'est une honte. Attends un peu, je fais des améliorations et après je serai reparti. Alors j'ai le droit à un sniper, un tireur d'élite, un opérateur radio et un sapeur.
Et donc tu m'as dit, il y a un mec, il était en train de creuser une tranchée. Ça Ouais. m'intrigue. À la peine. Régiment de grenadiers, non. Régiment de fusiliers, régiment, blablabla. Bataillon de génie. Tac. On va le mettre là. J'ai débloqué les avions, mais je suis pas du tout bon en avion. Ouais, c'est pas ouf, hein. Enfin, la manœuvrabilité est difficile. Elle est genre horrible. Est-ce que je peux acheter un opérateur radio? Non. Ah. Ah, parce que avec les... Dans cette campagne, je suis prêt. Dans cette campagne, le bataillon avec les lance-flammes, il est niveau 6. Chez les Japonais, c'est genre niveau 16. Ah non, ouais, il est rapide. Et après, t'as les MP40 au niveau 9, le Panzer 3 au niveau 10, les mitrailleuses au niveau 11. Enfin, ça va. J'ai une escouade qui est déjà niveau 20. Bataillon de grenadiers. Ah, j'ai déjà joué une fois dans cette carte. Je me rappelle pas. On doit défendre. Ouais. Merde. C'est pas drôle. C'est trop facile de défendre. Ils vont venir par où? Par le seul endroit qu'on va leur laisser, c'est-à-dire la porte principale. Ah, char qui arrive. Oh! Regarde, je peux poser des canons anti-char et tout. Viens, vas-y. Pourquoi y a déjà un char dans notre camp? J'aimerais bien Oh mon savoir, il y a dieu! aussi un type avec une voiture. Oh mon dieu! On va voir si c'était trop facile. Vas-y, je pose le canon anti-char juste en face. F. Entrée. Utiliser. Bim! Hop! Char détruit. Déjà? Bim! Voilà. Tac. C'est bon. Problème réglé. Super. Enfin, en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse contre des packs 40, quoi? Ouais, pas que 40. Ah, il y a du tigre. Aïe! J'étais sur le toit et je suis tombé. Il y a le sol qui a cassé sous mes pieds, je m'y attendais pas. Oh, pauvre hydronien. Le sol a cassé sous tes pieds. Mince alors. Je pose un canon anti-aérien. Je pose quelques sacs de sable autour pour le protéger. Histoire de.
Tac. Et après je vais faire de la chasse à l'avion. Il y en a un qui est passé juste là. Il fait un tour, il refait un passage. Ah oui, oh je vais le déboîter. Oh il vient droit sur moi. Oh c'est magnifique. Oh touché. Allez hop, tu vas crever. Vas-y, va dans le mur. S'il te plaît. Il a réussi à survivre. Non. Comment il a fait? Putain, en plus il vole à basse altitude. Ah putain, là c'est fini. Allez hop. Dans le décor. Il y a un avion encore. C'est mon moment. Je vais lui faire la peau. Tu veux pas essayer de faire de la chasse à l'avion, Hydro? Je te laisse faire, t'as ton sorti. Ah non, ça c'est un allié, merde. J'étais en train de tirer sur un avion allié. Ah le con. Ah le con. On a un allié qui essaie. Oh non. Oula, il est bizarre ce perso. Il s'appelle Edgar Terre. Avec deux T. Tu changes un T pour un L et hop. C'est pas le même personnage. Vraiment des mauvaises personnes, hein. On joue des Allemands en plus. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ils ont un checkpoint dans la gauche, à la gauche, ouais. À la gauche du point, non? De l'autre côté, plutôt à droite, je dirais. Ils en ont peut-être plusieurs. Ça c'est un char, ça c'est un char. Alors, merde, c'est pas une bonne nouvelle. Oh mince, pourquoi est-ce que ce studio il fait le tour et il vient pas là du côté? J'ai mon canon anti-char. Pas cool le mec, hein. Genre il y a mon canon anti-char d'un côté de la maison, bah le mec il passe de l'autre côté.
Oh le... Hop hop, c'est le temps de faire un petit barbecue là. C'est bon, y'a plus personne. Miam miam miam, petit barbecue. Hop, le barbecue. Miam 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 miam. Il y aura à manger hein, ce soir. J'ai préparé un bon dîner, de l'américain grillé. Ah ça c'est un avion ennemi ça. Yes. Ça va être un kill ça pour moi. Où est-il? On en a tué la moitié quand même. Ça va, ça va. Oh non, il est rentré dans mon canon. Non, il nous a mis des roquettes dans la gueule. Ah. On a... We lost the... on a perdu le contrôle. Ah mais t'écoutes un peu Croton. Non. T'as désactivé pas... le son. Non non, j'étais en train de réfléchir à détruire un avion ou un tank et... Ah. Ouais. Et je trouve un petit peu dommage aussi dans Enlisted, c'est le volant qui tourne pas quand tu prends une Jeep. T'as vu ça? L'animation du volant? Ouais. Genre ta Jeep elle tourne toute seule et ton volant il reste tout droit. Je crois pas avoir déjà pris de Jeep. Ah,
Là, t'aurais pu, je suis dans une Jeep là. T'aurais pu venir avec moi. On aurait fait un petit voyage de santé ensemble. Regarde, je suis à côté là. Je sors du bâtiment et je t'attends avec une Jeep. Avec qui va défendre? On reviendra quand ce sera nécessaire. Vas-y, viens, allez hop, on monte. Regarde, l'animation du volant elle tourne pas. Je le vois pas. Ah oui, t'as raison. Ah, s'il y a que ça, ça va aller. Et le compteur de vitesse aussi marche pas. Pourquoi t'es descendu? Bah, pour défendre. Mais c'était plus drôle d'aller faire un tour. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh j'ai trouvé leur point de respawn. Oh, t'as peur. Dans une tranchée, il y a plein de mecs allongés. C'est free kill. À l'aide, à l'aide. Hop, 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 voilà. Laser. Hop, j'ai eu celui qui était à droite. Il est où leur point de respawn? Ça doit être par là, hein, parce que là, regarde tout ce qu'il y a. C'est du fric qu'il a, j'appelle ça. Elle est où la hache? Le couteau, bim bim. Hop. Ah, tu l'as trouvé? Non, j'ai pas trouvé. J'ai juste tué de l'ami. Bien, on retourne dans la tranchée là, c'était freaky là. Ah, on si les voyait veux. Venir. Ah merde. Pas une bonne nouvelle ça. Fais gaffe, y'a du monde en fait dans le pré. Il y a de l'américain couché au sol là à côté de moi. Pas beau à voir hein. Couché dans le pré, l'américain, tu le vois pas. Ça s'appelle la racaille américaine. À l'autre bout de la tranchée, à gauche. Ouais, je suis un petit peu bloqué là. Il m'a eu les deux. Attends, je remonte. Ah non, merde. C'est ça, c'est quand tu joues contre des bots, putain, tu te caches dans le pré, les mecs qui te trouvent, c'est une honte. Putain, j'en peux plus. J'espère, Heroes in General 2, ce sera pas comme ça, hein, pas des squads. Avec des bots qui te trouvent. N'importe quoi.
Pourquoi il est en train de décoller mon canon anti-char? En train de décoller? Ouais, enfin il... Ah ouais, c'est bon, il est retombé. Tout va bien. Ouais. Mettre une frappe d'artillerie. Je vais mettre la frappe juste devant moi. Là, tu vois, le mec, en gros, je vais te dire la discussion qu'il y a eu là entre les mecs. Il y en a un, il a dit j'appelle l'artillerie, et à la radio, ça a répondu compris feu. Ok, enfin, c'est des discussions bancales quoi, c'est de base quoi. Bah, histoire de faire histoire de combler, ouais. C'est ça, rien d'incroyable. Ou alors des fois ils disent je saigne et tout, enfin. Ok. Oh mon dieu! Nani? C'est rentré dans le bâtiment. Ah. Dans le bâtiment. Quel américain? Je crois qu'il est mort. Venez les boys. Hop. Tac, je vais prendre mon sniper et je vais aller me cacher dans un coin. Ah, sur le toit, peut-être. Oui, alors l'américain qui passe juste devant moi là, il m'a fait peur. Y'a du mec, y'a du monde dans la tranchée. Ok. Yes, bien vu. Magnifique. Parfait. Bien joué. Est-ce que j'ai une médaille cette fois? C'est le grand espoir. Oh, cette fois-ci t'en as une et moi j'en ai pas. Guerrier polyvalent, bien sûr, frère, j'ai tout fait.
pété de l'avion, j'ai pété du char. Si là, c'est pas de la polyvalence, j'ai fait sniper. Ah, magnifique. Oh, bon, yeah. Et bien, bien joué, hein. On aura fait 4 victoires sur 2 vidéos. Pas une seule défaite, c'est quand même dingue ça. Ouais. Faudrait que je raconte à l'erreur que je gagne moins avec lui quand même. Ah ouais, il faut dire la vérité. Ah. C'est peut-être un hasard. C'est peut-être. T'arrêtes là? Ouais, je vais m'arrêter là. Okay.